Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kazaku.com. Dans celle d'aujourd'hui, on verra en détail la matrice compagnon. Donc on verra en l'occurrence sa définition, à quoi est-ce qu'elle sert, et on saura donc retrouver la propriété qui la définit. Avant toute chose, donc, considérons le polynôme suivant. Donc pour n appartenant à n étoiles, le polynôme P de x est égal à x à la puissance n moins somme de ak, x à la puissance k, k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc la question, c'est de se demander la question suivante. Donc est-ce qu'il existe donc une matrice telle que le polynôme caractéristique de cette matrice, il est égal à P de x, au signe moins près. C'est-à-dire mathématiquement, on veut m appartenant à mn de r, ou bien mn de k en général. Donc si on considère que les ai, ce sont des éléments de k, qui allant de 0 jusqu'à n, alors, n moins 1, pardon. Alors, est-ce qu'il y a une telle matrice? Est-ce qu'elle existe? Eh bien, je vous dis que la réponse est oui. Donc, la matrice M, elle s'écrit de la façon suivante. D'accord? Et dans cette vidéo, on va prouver que qui de M est égal à moins 1 à la puissance n, P de x. Donc, comme vous l'avez vu pas mal de fois dans nos vidéos sur Kezaku, pour prouver une formule du déterminant, on commence par n égale à 3. Donc pour comprendre le principe, et donc si on sait démontrer la propriété pour n égale à 3, on saura retrouver le cas général. Donc pour n égale à 3, donc qui m de x, il est égal à déterminant de m moins xi3. Et on retrouve que m moins xi3, c'est égal à ça. D'accord? Donc notre objectif dans un premier temps, c'est d'éliminer les 1 extra-diagonaux. Et pour éliminer les 1 extra-diagonaux, donc ce qu'il y a de plus simple, c'est des opérations sur les lignes et sur les colonnes. Pour éliminer le 1 du L2 par exemple, on va faire l'opération L2, qui me donne L2. Donc je reprends le 1 ici et je vais le rendre 0. C'est-à-dire je vais ajouter le moins x fois 1 sur x. Ça va donner 1 moins 1. Et donc je vais faire plus 1 sur x fois L1. Une fois que j'ai fait ceci, je vais obtenir la matrice suivante. Donc au moment L'2, la deuxième ligne cette fois-ci, je veux éliminer maintenant le 1 de la troisième ligne. Pour l'éliminer, je refais la même procédure que précédemment. C'est-à-dire je vais prendre L3 et je vais appliquer L3 plus 1 sur x, L'2. Quand je fais 1 sur L'2, ici ça devient un moins 1, ok? Et quand je fais le moins 1 plus 1, ça me rend 0. Et du coup, j'aurais éliminé le deuxième 0. Par contre, j'aurais ajouté à 1 sur x plus à 0 sur x au carré, hop, ce terme, pour obtenir finalement. Finalement, nous allons obtenir le déterminant suivant. Ce déterminant, c'est celui d'une matrice triangulaire supérieure. Je vous laisse le calculer vous-même, donc ça donne moins x au carré fois a2 moins x plus 1, 1 sur x plus a0 x au carré. Et on retrouve donc que qui m de x est égal à moins 1 à la puissance 3 p de x. Maintenant, retrouvons cette formule pour le cas général, c'est-à-dire pour n quelconque. On va tout simplement réappliquer donc, les techniques que l'on vient d'utiliser. Donc pour L1, donc L2, on va la rendre L2 plus 1 sur x L1. Ça me donne L'2. L3, c'est égal à L3 plus 1 sur x, L'2, ça me donne L'3. Petit à petit, j'aurai éliminé tous les 1 extra-diagonaux, d'accord? Et in fine, j'aurai que des 0 diagonaux, et ici, j'aurai une matrice, j'aurai un terme de la forme somme des a, donc ak sur x à la puissance quelque chose. Je vais vous détailler le calcul tout à l'heure. Donc sur la dernière colonne, je n'aurai pas des a0 jusqu'à n-2, j'aurai d'autres termes, mais je ne m'intéresse pas. Donc in fine, j'aurai ça. Qui m, c'est égal à une matrice triangulaire supérieure, d'accord, avec des moins x comme élément diagonaux, jusqu'à arriver à la dernière ligne, au dernier terme diagonal, qui est égal à n-1 moins x, plus somme des ak sur x à la puissance n-1 moins k. D'accord? Qui est facilement calculable ce déterminant. Je vous laisse conclure. On a donc retrouvé que qui n est égal à moins 1 à la puissance n, p de x, quel que soit n appartenant à n. Donc bien sûr, quel que soit n appartenant à n, j'ai cette formule, bien sûr, en définissant la matrice M de la façon dont j'ai vu tout à l'heure. Merci de votre attention, et à la prochaine vidéo sur kazaku.com.